Yo les gens, c'est Shaky, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le serveur européen de Metin 2. Et donc aujourd'hui on va faire du pack opening de coffres de pêche de je sais pas trop quoi, comment ils s'appellent en français, qui sont extrêmement lourds. Et déjà avant de commencer, j'aimerais apporter des petites précisions aux conneries que j'ai dit dans la vidéo d'explication sur... Sur cet event. En fait, c'est un event assez rapide, en fait. C'est pas un event, je pensais que ça allait être la suite de l'event Summer, mais en fait, non. Parce que comme vous pouvez le voir, Summer est encore là, donc j'ai dit une bêtise. En fait, oui, ça continue bien l'event avec Summer. Et en fait, ça, c'est un event un peu comme les rayons nuls, si vous voulez, quoi. Sauf que c'est sur plusieurs jours. Là, c'était sur 5-6 jours, je crois, je suis pas sûr de moi. Peut-être une semaine. Une semaine, quelque chose comme ça. Et là ça vient de se terminer, donc vous voyez bien il n'y a plus le event en haut à droite de l'écran. Et donc voilà les coffres que j'ai pu réunir. Bon, j'en avais ouvert quelques-uns avant pour voir un peu ce qu'il y avait dedans, mais voilà globalement ce qui me reste à ouvrir. Donc dans ceux-là il y a des, grands, il y a des petits, il y a des moyens. Il y a surtout des moyens, après les grands et les petits c'est plus rare. Les petits c'est quand c'est vraiment très capricieux qu'il ne voulait pas me donner la pièce. Et les grands, bah, c'est quand il a bien voulu me donner parce que je voulais directement. Mais globalement, il y a un peu de tout. Du coup, on va ouvrir tout ça et on va voir s'il y a moyen de choper du lourd là-dedans. Du moins, j'espère. Et là, pour là maintenant tout de suite, j'espère que vous êtes prêts. Parce que moi, je suis prêt et je suis ultra chaud. Donc, let's go. Ok, donc, voilà tout ce que j'ai pu choper dedans. Du coup, on a déjà les choses les plus importantes de base. On a 8 ajouts de bonus, 5 changements de bonus, 3 ajouts de 5e bonus, 4 pare-chaud, donc ça c'est pas des pare-chaud de boîte 30, même si je suis level 30, je crois pas que j'ai ouvert, non j'ai pas ouvert. On a 10 anneaux d'XP qui sont maintenant empilables, je ne savais pas, ils sont pas échangeables, j'avais vérifié ceux-là. On a des manuels du forgeron qui, eux, sont échangeables, c'est totalement exceptionnel qu'ils soient échangeables, ces trucs de dingue, là. Donc ça, ça vaut carrément une blinde. C'est les meilleurs parchemins de bénédiction du jeu, les plus puissants. Après, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir les pierres d'âme plus, là. Donc, c'est qui sont pour les 7e et 8e skills, hein. Donc qui sont globalement axés PVP. Hop, on en a 5. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a plein d'œufs de singe, on a des montures. C'est vrai qu'ils mettent ça là-dedans, c'est un peu con, parce que c'est pendant l'Event Summer, et vu que l'Event Summer continue, c'est un petit peu con d'en mettre dedans, mais... On a 3 sauts de cheval noir de 15 jours. Voilà. On a plein de médailles de héros, alors là, par contre... Ça sert pas à grand chose parce que ça va disparaître. Puis surtout en avoir plein en même temps, ça sert pas à grand chose. Si vous avez des coffres comme ça, je vous conseillerais peut-être plutôt de pas tous les ouvrir d'un coup et de les garder peut-être pour les ouvrir au fur et à mesure. Surtout pour les médailles en fait, parce que les médailles c'est vraiment hyper puissant en fait.
Après, on a des livres du chef. Hop, on va tous les mettre. Comme ça, je sais plus si c'était 2 heures ou 3 heures. C'est des 3 heures. Ok. J'ai eu pas mal de caps aussi. Donc 220 en tout. Mais j'en avais déjà eu 20, je crois, dans un autre petit pack opening. Donc ça m'en a pas rajouté des tonnes et des tonnes. On a des petits feux d'artifice. On a un seul parchemin d'exorcisme. C'est marrant que j'ai réussi à en choper qu'un seul là. On a des médailles du dragon, la connerie habituelle. Les haricots zen, j'en ai eu 9. On a des attaques perçantes et des attaques critiques. Ah, il y a eu des potions. Des potions vertes à ce que je vois. Et oh, il y a eu de l'argent aussi. C'est vrai que j'avais pas autant d'argent. Mais... Il y a eu pas mal d'argent aussi. C'est vrai qu'il y a des yang dans cette boîte. C'est la seule chose entre guillemets moins intéressante. Mais ah oui, en effet, il y a des potions violettes comme ça et vertes comme ça. Là, je vois bien. On peut pas les rater. Donc, il y en a pas mal aussi avec. Et par-dessus tout ça, on a les œufs de singe. Donc, globalement, des items très intéressants et peu de chances de choper des items moins intéressants. Et les items les moins intéressants, au final, ça va être les médailles du dragon, les feux d'artifice et les potions qu'il y a là. En gros, ça va être ça. Donc voilà ce que j'ai pu choper dans ce petit pack opening. Donc c'est vraiment pas mal du tout. Très bon event à refaire. Donc je sais pas s'ils en prévoient dans les prochains jours ou quoi. Déjà j'ai du mal à choper les dates pour les events parce que même en lisant les posts entiers, ils indiquent pas trop les dates sur le forum du UK. Là j'ai l'impression, ou peut-être c'est moi qui arrive pas à bien appréhender leur forum ou je sais pas. Donc excusez-moi si j'ai dit quelques petites conneries sur les dates. Sur la dernière vidéo, donc ouais, il faut bien savoir que cet event là c'est que quelques jours, genre une semaine, quelque chose comme ça. En temps, vu comment il est ouf, on peut un peu comprendre. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, elle m'a bien plu personnellement. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite à tous un excellent jeu sur Metin. J'oublie pas de vous dire de lâcher un petit pouce bleu, un petit com, un petit abonnement si vous avez kiffé la vidéo. Et puis voilà, à plus pour une prochaine vidéo sur ma chaîne. Allez, peace les gens.